Eh bien, salut tout le monde, c'est Zlatro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les amis, et aujourd'hui, Squad Builder, présentation d'équipe, d'une équipe qui déchire littéralement. Donc une équipe en 3-4-3, fait pour les dribbleurs. C'est vraiment exceptionnel, je crois qu'il y a au moins 5 joueurs 5 étoiles, ainsi que 2 ou 3 joueurs 4 étoiles. Donc c'est vraiment une équipe qui est magnifique, trop trop bien pour les dribbleurs, même si je suis pas un grand dribbleur, elle est juste géniale cette équipe. Mais avant toute chose, je voulais vous dire que j'essaierai d'envoyer cette vidéo à des chaînes communautaires comme OnlyFIFA ou la communauté foot. Donc on commence tout de suite, excusez-moi, avec Thibaut Courtois. Donc un goal, le goal de Chelsea, acheté pour 13 000 crédits. Mais vraiment un goal qui fait 2 mètres, ça c'est parfait pour, dans toutes les situations. Hein. Il a 88 de réflexe aussi. Bon, il a un petit 46 de vitesse. C'est vrai que c'est pas hyper pratique, mais sinon, ça gère bien. Hein. Des bonnes stats à peu près partout. Un 84 de plongeon, ça aussi, c'est pas mal. 13 000 crédits, c'est vrai que c'est un peu cher. Mais si vous voulez un bon goal, c'est parfait. Ensuite, en défenseur central droit, on a notre français Laurent Koscielny. 82 de vitesse, 84 en défense et 77 en physique. Donc c'est vraiment un défenseur parfait. 3 800 crédits. Mais c'est vraiment une bonne affaire. Hein. Et je pense, selon moi, que c'est le meilleur défenseur de BPL. Parce que c'est vraiment un excellent défenseur. 1 m 86, donc il n'est pas petit. Mais voilà. Ensuite, on a Vincent Kompany, le défenseur de Manchester City. 73 de vitesse, 81 de physique, ainsi qu'un petit 87 en défense. Ça va, c'est parfait. Donc aussi, il y a un bon jeu de tête. Il coûte 10 000 crédits, mais ça va. Ensuite, on a Emre Can, ou Can pour ceux qui préfèrent. Il a 4 étoiles de geste technique et 4 étoiles de mauvais pied. C'est juste assez incroyable pour un défenseur. Hein, parce que je crois qu'avant, il jouait milieu défenseur. Non, mince. Milieu défenseur central, ouais, MDC, je crois. Bref, vous m'avez compris. Donc, 2 000 crédits, 79 de vitesse, ça c'est parfait. Hein. Vraiment une très très belle carte que je vous recommande. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet, comme on pourrait dire, avec notre petit Abdel Tarapt. 5 étoiles de geste technique, 80 de vitesse, 4 étoiles de mauvais pied. C'est juste un gars parfait. Bon, je n'ai pas fait trop de clips avec lui, mais vraiment, c'est un très très bon joueur. Hein. Je vous le recommande. Allez, maintenant on passe au deuxième milieu central. On a Ender Herrera, le milieu de Manchester United. 4 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied, 77 de vitesse avec un petit 80 en passe. Pour 28 000 crédits, certes, mais vous pouvez l'avoir moins cher vu que c'est la version in-form. Donc vraiment, le petit souci, je trouve, c'est un peu sa finition qui n'est pas exceptionnelle, on va pas se le cacher. Hein. Il a un peu du mal des fois à finir les actions. C'est pour ça que j'ai pas mis de but avec lui. C'est parce que tout simplement parce que voilà, il avait du mal à finir les actions. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il touche la barre. J'étais vraiment assez dégoûté quand j'ai mis cette frappe. Mais bon. Ensuite, on a Ben Arfa. Donc 5 étoiles de geste technique. J'ai pas eu le temps de faire un clip avec lui. Mais je vous le recommande. Bon, pour 5 000 crédits, c'est vrai que c'est pas donné donné. Mais un bon 80 de vitesse avec un bon 77 de tir. Ça va. Puis on peut remarquer aussi qu'il a 85 de dribble. Ça aussi, c'est assez bien pour un milieu droit. Bon, il est un peu petit. Il y a des pas moyens faibles. Bon, pour un milieu droit, ça va. Mais sinon, voilà. Ensuite, on a Oussama Assaidi. Donc, le défenseur. Excusez-moi. L'ailier gauche de Stoke City. 86 de vitesse. 5 étoiles de geste technique. Rien à dire. C'est un excellent joueur. Il n'a que 70 de finition, mais on ne le ressent vraiment pas sur le terrain. Vraiment, il m'a fait beaucoup de poteaux, mais il a mis beaucoup de buts aussi. J'aime beaucoup ce joueur et je vous le recommande pour 16 000 crédits. On continue avec Juan Cuadrado. Attention, accent colombien, donc enfin espagnol. On a le ailier droit de Chelsea, 5 étoiles de geste technique pour un 93 en vitesse, ainsi qu'un 77 en finition. C'est vraiment parfait. Ce qui m'énervait un peu avec ce joueur, bon, c'est pas de sa faute, mais chaque fois que je tirais, je me faisais contrer. Quand je faisais des belles actions comme là, voilà, je faisais quelques dribbles. Là, bam, je vais tirer, enfin, où je vais passer, bam, il y a un défenseur qui se ramène et qui compte la balle. Bon, pour 8 000 crédits, c'est vraiment une très bonne affaire. Ensuite, on a Aidan McGeady. Donc, vraiment excellent joueur, hein, l'Irlandais d'Everton. 83 de vitesse, 5 étoiles de geste technique pour seulement 1 100 crédits. Ça, c'est la bonne affaire pour les dribbleurs.
Je vous le recommande. Il m'a mis un super beau but que vous êtes en train de voir là. C'est, j'étais vraiment assez content de mettre justement ce but. Donc voilà. Ensuite, on va passer au meilleur joueur de cette équipe. Et je vais vous dire Yannick Bolasie, second in form. 5 étoiles de geste technique, 88 de vitesse, ainsi qu'un bon 85 de physique. C'est vraiment exceptionnel, hein. Parce que voilà, un mec qui court vite, il n'a pas forcément du physique, il n'a pas forcément du dribble. Bon, il coûte un peu cher. 58 000 crédits, c'est vrai que pas beaucoup de personnes peuvent l'avoir. Mais sinon, vous prenez sa version normale en ailier gauche et vous mettez un changement de poste en AVG, je crois. Donc voilà, j'ai fini cette présentation d'équipe. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller vous abonner, à mettre un petit like pour le soutien, ça me fera extrêmement plaisir. À mettre un petit com pour me dire quelle autre équipe je pourrais faire. Parce que là, j'ai les crédits, donc c'est vraiment pas mal. Donc sur ce, ciao tout le monde, c'est Zlatro.